Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Okayama au Japon pour la présentation de la cinquième manche de la série Super Formula Advanced Racing du All Track Challenge. La semaine dernière, Charles-Étienne Boucher l'a remporté pour une troisième fois en quatre courses et ainsi prendre les devants par 18 points au championnat des pilotes. Est-ce que Jean-Christophe Tran réussira à décrocher sa deuxième victoire de la saison ce soir? Est-ce que Simon Thériault réussira à faire du bruit? La réponse dans quelques instants. Merci d'avoir choisi l'All Track Challenge. On vous souhaite une excellente soirée sur nos ondes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. bbsoft.ca Mamba Nutrition Pièces d'auto Fernand Bégin Aménagement ML FR Construction MVP Monette Virtual Paint Shop Yacht 45 Montréal MaxWap Mécanique Haute Performance Simbox 62 ainsi que Advance Sim Racing. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de Sim Racing. SimuTube, Acetec, Huskenfeldt, V&M, Trustmaster, Moza, Q-Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. À venir bientôt au All Track. Préparez-vous pour du stock car. Beaucoup de stock car. Premièrement, la série nationale ARCA débarque au All Track dès le 3 avril pour une série de 4 courses pour notre prochain championnat des mercredis. Rendez-vous à Richmond, Rockingham, Nashville Fairgrounds et on termine ça au mythique circuit de North Wilkesboro. Prenant le contrôle des dimanches du All Track dès le 14 avril, une des favorites des pilotes, célébrons le retour des LMS chéris de nos pilotes sur Short Tracks. Kern County,
South Boston, Southern National, Slinger Speedway, Five Flags, Le Paperclip de Martinsville et Nashville Fairgrounds vous attendent. Ça sent le stock car au All Track. On est en onde. C'est Man Forgette avec vous autres, accompagné de Marc-André Turgeon. Comment ça va, Marc-André? Oh, malade, mais ça va, ça va, ça va, toi. C'est super, c'est super. On est, évidemment, dans la cour arrière de ces voitures-là, les Super Formula Advanced Sim Racing, à Okayama, au Japon. Et si vous avez remarqué les habitués du All Track, c'est Okayama, c'est une piste qu'on utilise assez souvent, au moins 2-3 fois par année. Puis écoute, avec les Super Formula, c'est clair qu'on allait aller là. Puis il y a eu un gros update là, dans les derniers mois d'Okayama. Elle a été rescannée au complet et c'est beaucoup plus beau qu'avant. C'est sûr que là, la date datait d'à peu près 2008-2009, là, scannée 2023. Fait que, on devrait avoir un bon et beau show ce soir. Et là, on a une couple de pilotes qui reviennent nous voir ce soir. Là, on va se promener un petit peu. On a Thério qui était là la semaine passée, mais qui revient, qui va essayer de... C'est, dans le fond, c'est un peu son championnat, ça, les SF, lui qui a eu des petites difficultés hier. Mais c'est ça qui est ça. Alors, sinon, on a Rodzilla sur la piste, Nicolas Rodrigue, un gars qu'on connaît bien, qu'on a roulé avec sur le jeu d'F1. C'est pas mal son dada, ces voitures-là. On va voir comment il va réagir. Présentement, qui est 21e, qui est arrivé un peu comme sans pratique. Là, c'est un peu normal. On va voir son évolution. Va peut-être évoluer, oui, en cours de route. Oui. Ontario, pour qui ça avait beaucoup plus de sens que la semaine dernière. Hein? Oui, monsieur. Et là, sinon, on a Simon Lemieux qui est là avec les couleurs appropriées. Expert agence immobilière, équipe Lemieux. Il est bon avec nous autres. Je m'attendais à voir son frère aussi sur la piste, lui qui était venu pratiquer. Mais c'est ça qui est ça pour l'instant. Sinon, oh, et là, côté pratique, on a Boucher qui a battu le temps de Jean-Christophe Tréhant. C'est très serré. Même Thério, qui je pense qu'on va avoir tout un show gendron aussi. Vous regardez les temps, là. Le top 4 qui va être pas mal à surveiller ce soir, là. J'écoutais Charlotte Boucher tout à l'heure parler pendant que j'agonisais sur mon sofa. Puis je l'ai entendu dire que c'était peut-être une nuisance ici que de prendre le boost. Oh, ben écoute, c'est sûr, c'est mieux de le prendre que de pas le prendre, j'imagine. En fait, lui disait que c'était mieux de pas le prendre sur cette piste. On va voir. Parce que ça pouvait beaucoup trop... en tout cas, ça pouvait être un désavantage à plusieurs endroits pour... pour glisser que la voiture a trop tendance sur cette piste à vouloir partir de l'arrière, donc avec le boost, que c'était pas nécessairement la meilleure des idées. Le boost, il est plus efficace lorsqu'on part d'un virage que quand on est déjà en train de rouler de toute façon. Et ouais. Plus ici, il paraîtrait que c'est désavantageux pour glisser du derrière de la voiture. Et j'ai eu vent que c'était peut-être une meilleure idée de ne pas s'en servir. On verra ce que les pilotes feront. Mais attendez-vous à potentiellement voir beaucoup de pilotes perdre le contrôle aujourd'hui. Oui, monsieur. Et là, on va aller voir la session qui est... là, j'ai allumé. Pas la bonne affaire, mon Dieu. Oui, c'est Session State. Et là, à tout seigneur, tout honneur, M. Boucher a pris la pole provisoire pendant la... Ben, c'était pas la pole provisoire, mais le meilleur temps en pratique. Alors, on va aller voir ce qu'il va nous donner. On va se mettre à bord de M. Boucher. Alors là, faites vos jeux, tout le monde, dans... les commentaires, on a 4 gros clients là, ce soir. Boucher, Tréhant, évidemment, mais selon les pratiques, là, on a vu le monsieur Gendron qui est très rapide, suivi de monsieur Lucas, si je me trompe pas. Ça ressemble à ça. Le Thério aussi. Monsieur Lucas qui est dans le top 5, mais il y a une grosse différence entre la 4e et le 5e.
Alors là, comme je le disais, il reste 3 courses, dont 2 au Japon. Et la semaine prochaine, comme j'aime dire, attachez vos tucs. On s'en va à Long Beach. Le circuit urbain californien. Les IndyCars vont là. C'est toujours un méchant show. Beaucoup de roues arrachées. Et c'est quand même un circuit qui a des belles opportunités de dépassement. Alors là, on va surveiller Charles-Étienne Boucher qui va faire son premier tour lancé. Et les pilotes ont 4 chances ce soir. 4 chances? Oui, mais c'était pas 3 la semaine dernière? Ouais, ben non, ils n'ont pas eu le temps de faire la quatrième, c'était ça le problème. Mais ouais. On va se remettre à bord là, de la voiture. Oh! Là, Boucher qui va prendre son temps. Là, vu qu'il manquait un peu son coup, là, on va aller voir. On va aller voir M. Gendron. On va faire le changement un petit peu. On va se promener un petit peu. Là. Train et Gendron qui sont à peu près à la même place sur la piste, ça donne rien de. On cale pour la pole ce soir. Oh, ça. Boucher au train ou Thériault? Ben, genre, ta main au feu, c'est sûr qu'on parle plus avec Boucher, tu sais, qui est souvent plugué avec nous autres la semaine. Mais écoute, je pense que c'est un toss-up entre les deux. Je pense que pour la pole, et là, les temps commencent à rentrer. Oh, Gendron, très beau temps. Oh, train. Et là, oh oui, solidement par là de ça. Une 14.6. Et là, est-ce que tu crois que c'est possible pour Thériault la pole ce soir? Très possible, très possible. C'est sa spécialité carrément, là. Et là, Boucher qui est plus loin sur la lap, on va aller voir son. Ah, lui qui va en commencer un. Oh, et là, Jean. Train. Oui. Thériault, troisième, c'est ça. C'est lui qui vient d'apparaître, là. Oui, derrière, ah, Gendron. Oui. Non, mais je pense que plus ça va aller, plus que les temps vont baisser, là. Et là, je pense que Boucher en commence un bon. On va voir comment que la piste est faite, là. Oh! Il y a du contrôle du côté de Charles-Étienne. Lui, présentement, qui est 19e avec son temps, là, mais... trompez-vous pas, ça va remonter dans les charts. C'est toujours sur la limite. Oh! Il a perdu un petit peu de temps ici. On mange le curb. La voiture peut tomber très instable, mais quand on contrôle... Oh! Gendron, deuxième. Lui a des styles très similaires là. Ouais. On l'a vu également au dernier Grand Prix. Et Thériault qui améliore, mais pas suffisamment pour battre le temps de Gendron qui lui aussi a amélioré. Là, Boucher qui passe la ligne à l'instant. Mercredi dernier, on a eu une surprise avec une victoire de Joe Roberts. Aurons-nous droit de surprise encore ce soir? Peut-être que Nicolas Rodrigue viendra s'inscrire sur la voie des champions, ne sait-on jamais? Ouais, on va aller voir ce qui se passe avec lui. Présentement, tantôt pratique 21e, mais là, présentement, calibre 17e. Alors, ça remonte un petit peu. Lui qui est à McLaren ce soir. Oh, on l'a encore du côté de M. Rodrigue. On va surveiller Train qui passe la ligne à l'instant. Oh! Mais là, le Trading Paint qui a de l'air gelé comme une balle. On essaie d'arranger ça. Les peintures ont l'air pas très. Pas up to date. Voilà qu'on est sur M. Train. On va se promener un petit peu là. Les pilotes qui finissent un tour qu'on n'a pas vu. Logo Parent. Logo Parent qui a eu une excellente pratique là, qui était dans le top 10 là, facilement. Alors Parent qui passe. Oh! Toujours 7e qui améliore son temps, je crois, mais pas sa position. Non, qui a pas amélioré son temps du tout. C'est de se promener un petit peu. Puis Pichopat qui commence un temps aussi. Puis Pichopat qui est de retour ce soir dans la Puma. On essaie de vous montrer un peu les pilotes qu'il y a sur la piste aussi. Là, on a Alex Labrosse qui vient de faire un tour ce soir.
17e présentement. Oui. Et là, on va le surveiller en avant, là. Train qui finit un tour. Bon, la peinte est revenue, et voilà. Le train. Oh oui, qui améliore de 2 dixièmes encore, là. Qui est vraiment en avant de Boucher. Et là, Boucher, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles. Et là, les 4 tours sont faits du côté de Train. Et là, Boucher, c'est sa dernière chance. Oh! Boucher qui sort très large. Est-ce que je vois bien que JC Train dans les 1 minute 13 présentement? Oh oui, 1:13.7. Okay. Et là, Boucher! 13.9! Alors, ça serait Train, là. On va surveiller Gendron. Si Gendron qui est encore sur la piste, il est en train de terminer son tour. Gendron. Qui passe la ligne. Là, non, son temps n'a pas compté, malheureusement. On va aller voir Jérémy Fournier, on l'a pas vu de la qualif. Là, lui qui est en train de terminer son dernier tour lancé. Et là, Jérémy, est-ce qu'il est capable d'améliorer? Oui, améliore son temps, mais pas sa position, malheureusement. On va le voir, Michael Lissard aussi, dans la Renault. Qui termine son 4e tour lancé. Michael Lissard, oui, qui améliore un petit peu, 14e. Et là, on va aller voir, là, on a vu M. Labrosse, on va aller voir un qu'on n'a pas vu, là, depuis le début. M. Cummings, qui est à la moitié de son 4e tour de l'équipe Inferno. Présentement, M. Cummings, 21e dans les temps. On est sur la chip du côté de... du côté de Frank. Alors là, présentement, 21e. Est-ce qu'il est capable de craquer le top 20? On lui souhaite. C'est un bon 3e de plus. Hein. Belle sortie pour le dernier virage. La différence, je vais pas être méchant envers M. Huyen, mais la différence entre Jean-Christophe Train et... Ah, c'est incroyable. La 22e de Kevin Huyen, présentement, ça... Cummings qui a pas ça été n'a capable... même pas rapport. De... Non, Cummings qui a pas été capable de... Justement, Huyen, là, qui a la belle Ferrari jaune. Mais lui, c'est ça qui est venu, qui roule pas vraiment ces voitures-là. Il y avait la piste ce soir, fait qu'il est venu, là. Mais on lui souhaite le meilleur, la 05 Kevin Huyen. Et là, la qualif va se terminer incessamment, tout le monde. Alors, là, on a encore M. Gendron, M. Huet sur la piste qui se pratique un petit peu. Et là, Train, si je me trompe pas, c'est sa 2e pole de la saison. Et oublie pas, tantôt, tu parlais que Boucher... Et chaque pilote qui a eu la pole jusqu'ici cette saison a remporté l'épreuve. Oh oui, c'est vrai, t'as bien raison. T'as bien raison. Train, c'était à... Le deuxième Grand Prix. Là. Ouais, c'était ça, Motegi. Oui, c'était le deuxième Grand Prix de la saison, en tout cas. Mm-hmm. Ça, je m'en souviens. Alors. Excusez tout le monde, je ne vais pas vous manger ça dans les oreilles. Et là, présentement, on est rendu. Autour de chauffe. On va en profiter pour faire une petite pause publicitaire, montrer nos commanditaires et on revient dans quelques instants. Et là, oh, attends un petit peu. Oui, il est où, Magin? Je le sais pas, il a pas fait de temps. Il a pas fait de temps à Calif, ainsi que M. Turmel, je crois. Il n'a pas fait de temps. Si tu veux, je pense que tu vas être mieux placé que moi pour le rejoindre. En espérant qu'il va être là pour le début de la course. Qui ça? Monsieur Magin. Monsieur Magin, c'est Monsieur Giroux qui demandait ça. Les setups de la caméra sont on point, mais merci bien, on met beaucoup de courage là-dessus. Tu parlais à Giroux, je pensais que tu me parlais de placer pour le rejoindre, j'étais comme... Non, on est encore en live. Et là, on va en profiter pour faire les annonces, on revient dans quelques instants. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge, j'aimerais profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. bbsoft.ca Mamba Nutrition, pièces d'auto Fernand Bégin, aménagement ML,
FR Construction. MVP Monette Virtual Paint Shop. Yat 45 Montréal. MaxSwap Mécanique Haute Performance. Simbox 62 ainsi que Advance Sim Racing. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimUtube, Acetec, Huskenfeld, V&M, Trustmaster, Moza, Cube Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. À venir bientôt au All Track. Préparez-vous pour du stock car. Beaucoup de stock car. Premièrement, la série nationale ARCA débarque au All Track dès le 3 avril pour une série de 4 courses pour notre prochain championnat des mercredis. Rendez-vous à Richmond, Rockingham, Nashville Fairgrounds et on termine ça au mythique circuit de North Wilkesboro. Prenant le contrôle des dimanches du All Track dès le 14 avril, une des favorites des pilotes, célébrons le retour des LMS chéris de nos pilotes sur Short Tracks. Kern County, South Boston, Southern National, Slinger Speedway, Five Flags, le Paperclip de Martinsville et Nashville Fairgrounds vous attendent. Ça sent le stock car au All Track. On est de retour, mesdames, messieurs. Pendant la pause, on a remarqué un commentaire de Nicolas Attis qui dit « Envoyez Boucher, rends-moi fier, fais des tonneaux. » Merci également à Civilian Booze pour le follow et à Rayon Mielleux pour le follow. J'aime beaucoup les pseudonymes. De... J'étais pas sûr, je lisais la bonne affaire. Oui, merci à Rayon Mielleux et Civilian Booze pour les follow. Je veux pas t'interrompre, mais tiens-toi prête parce que ça s'en vient le début de la course, mon cher. On va essayer de... Yes, sir. Y aller vite sur le piton. Oui. Et là, je vais essayer de mettre la grille de départ. Vas-y, mon homme. En pole position ce soir, celui qui tente de rattraper Charles-Étienne Boucher pour la tête du championnat, Jean-Christophe Tréhard, en deuxième place à ses côtés. Charles-Étienne Boucher, justement. Plus vite, en deuxième ligne, William Boisvert et JP Gendron. En troisième, c'est Montario et Fournier. En quatrième, Racine Meunier. Cinquième, Poulain Lafrenais. Sixième, Parent Lucas. Septième, Lemie Lessard. Huitième, Tremblay Lalancette. Neuvième, Rodrigue Bergeon. Dixième, Labrosse Lemieux. Onzième, Cummings Huet. Et douzième, Magin Turmel. On l'a eu. Oui, oui, monsieur. Alors, on a la grille à gauche de l'écran. C'est 35 tours. Pas de pit stop, malheureusement.
Mais on va avoir de l'action on pace. Je te laisse aller avec le départ, Marc-André. Alors que Vizida me fait très rire dans les commentaires. Les rouges qui s'allument, comme dirait Pierre-Houd. Drapeau vert. Ils s'éteignent et on roule en Kayama au Japon. Et c'est parti, excellent départ pour Boucher et Tran. Oh! Déjà, oh! Comme... Ça fait son arrêt! Il y a de gros accidents! Oh! Oh! Tran! Oh! Quel coup de théâtre! Et là, Tran qui a été très agressif à chaque départ depuis le début de la saison. Et là, cette fois-ci, ça se revire un peu contre lui, là. Oh, faudrait, on va falloir revoir ça, cet épisode-là, parce que là, ça a brassé au départ. Aïe, aïe! Ah, si, tu dis? Un peu, oui. Alors que Vizina me disait, prépare ta percée de surgeon, perce. Mais là, en avant, ça brasse aussi. Gotta love that man. On a Thériault, Boucher, Boisvert en troisième. Boisvert qui en a profité, évidemment. Oui. Là, derrière, ça brasse aussi, là. Oh, oh, on a du 2 large. J'aimerais qu'on revoie l'incident au tout départ. Oh! Oh, on va attendre que ça se calme un petit peu, parce que là, ça brasse. On avait une voiture dans les airs, carrément. Oui. Une voiture rouge que j'ai remarqué. Ah, là, c'est ça, aussi un Fournier, là, qui a même pas terminé le premier tour, là. Aïe, aïe, ça, c'est pas le fun. Un beau train de voiture ici. Et là, Boucher, Thériault, Boisvert, Gendron, Meunier. Pendant qu'on surveille là, dans le bout de la. Entre la 10e et la 16e, là, ça brosse un moyen temps. Et là, comme tu dis, ça s'est relativement calmé, là. On va essayer d'aller voir au départ ce qui s'est passé, là. Wow! On va essayer de départ, quel coup de théâtre entre Boucher et Tran, mais également, on a vu une voiture dans les airs dès le départ. Ouais, ben c'est ça qu'on va essayer d'aller voir, là. Et là, on est en reprise, tout le monde. Regardez bien ça, on va mettre la vue... mettre la vue blimp là. Regardez ça, on va aller voir là. Oh, 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 oh! Oh, c'est Lafrenais! Regardez ça. Oh! Ouais, petit contact de rien, hein. On pourrait revoir le contact entre les deux, mais aussi à bord de Lafrenais après. Là. Ouais, ouais. T'es en reprise présentement. On va se mettre sur Boucher aussi, regardez ça. Oh! Oh, oh, ouais, là, ouais. C'est sûr que là, Trahan, il a pas laissé vraiment de place à Boucher qui avait la roue sur le curb, là. Je pense que Boucher... Mais c'est sûr que ça revient à ce que je disais, t'es très agressif dans chacun des départs depuis le début de la saison. Et là, cette fois-ci, ça s'est reviré un petit peu contre lui. Une dernière... Un petit peu beaucoup, en fait. Oui. Merci à Viper Killer pour le follow. Alors qu'on va revoir le départ depuis la voiture de l'Afrikaner. Oh, oh, il y a eu un peu de wheel spin. Oh, et là, ça casse la roue. C'est ça, ça casse la roue de Jérémy. Aïe, aïe. Ah oh, ouais, le char est scrap. Wow, encore en live. Vraiment pas chance. Non, vraiment pas. Et là, Boucher qui est parti pour la gloire. Et là, on va surveiller justement Jean-Christophe. Là. Oh oui, et là, je pense qu'il va nous donner un show. Oui. Oh, qui passe justement à Magin. Magin qui est fidèle au poste. Là. Oh! Oh, Dres qui a brisé la voiture! Oh, il y a eu un petit contact, là. Aïe, aïe, ça brasse au Kayama. Incroyable. Est-ce qu'il y a du dommage? Je croirais pas. On va essayer de surveiller. Non. Il a l'air d'avoir été très chanceux. C'est un peu comme la voiture Transformer de Thériault la semaine passée. Et là, on va surveiller sa prochaine victime. Là, malheureusement, ça va être M. Rodrigue. Là, ça sera pas trop long. Pendant que devant, c'est relativement calme. Ça va nous faire de quoi à surveiller. Et là, désolé tout le monde, je vais mettre la gap. Là. Pendant que j'ai mis le top 20 à la gauche de l'écran, parce qu'après ça, les pilotes sont pas mal morts ou presque. Là. Oh! Qui a bloqué les roues. Oh, qui se présente à l'intérieur. Et voilà.
le voir d'avant. Maintenant qu'on est à, on voit M. Meunier qui est en bataille avec Hugo Parent. Parents, racines, poulains qui se suivent là. Ouais, on a un beau train ici là. Ouais. Une erreur de la part de ces pilotes là, ça va coûter cher. Et là, Trahan qui est déjà. Il va pouvoir gagner plusieurs positions parce que. 13e déjà. Ouais, ouais, ben écoute, en avant de ce paquet là, c'est carrément Benoît Meunier là. Il y a un beau paquet de voitures devant lui. Et là, j'allais dire merci à Medium Compte TW pour le follow, mais ce dernier a mis un message spam et Wisebot le banni direct, donc on va lui dire d'aller se faire voir. Et voilà. et Garfield qui dit ça me rappelle un move de Senna Prost. Ouais, non, de ces deux gars-là se respectent beaucoup. Je pense que Trahan, tu sais, on le sait, Trahan. De tous les départs qu'il a fait, c'était très musclé, mais c'était très clean. Mais là, je pense qu'il a vraiment essayé un petit peu fort, je veux dire, c'est de bonne guerre. Puis en plus, côté sécurité, dans le sim, c'est... Comment dire? C'est pas dangereux, là. Fait que c'est sûr que ça a eu de l'air un peu fou, mais... personne qui s'est fait mal. Puis en même temps, Boucher, c'est pas fait avoir tant que ça. il mène par plus que 3 secondes sur Simon Thériault. C'est ça. Fait que là, on va surveiller... Jeff Lemay, il commence à voir rouge dans ses miroirs. Lui qui est supporté par le spécialiste et Drive Motion Batteries. Et au moins, la voiture de Trahan qui a l'air relativement solide, là, qui a pas... Oh, 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 wow! Vous voyez l'entrée au virage, là. Un bon drag race. On va se mettre justement sur la voiture de JP Tremblay. Qui a un bon ticket dans ses miroirs. Oh! Là, on voit Trahan qui a passé et qui a déjà sa poursuite. JP Tremblay, si vous le voyez sur Twitch, lui, il s'appelle du steak saignant. je sais que t'aimes énormément les noms. les pseudonymes et lui, c'est du steak saignant. On va aller voir derrière. Oh, Lafrenais qui. Je pense que c'est plus Jérémy qui a payé le bill que. C'est plus Fournier qui a payé le bill que Lafrenais parce qu'il est encore en piste. Il est encore en train de rouler. En 18e place, oui. Oui. C'est mieux rouler 18 que pas pantoute. C'est de quoi? Oui, exact. Et là, Trahan qui est. En poursuite présentement. Oh, 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 oh! Présente à l'intérieur de Tremblay. Très bien fait. Et là, le prochain sur la liste. Heureusement ou malheureusement, Monsieur Lessard. Dans sa Renault. On regardait ça, là, le freinage, comment il a gagné du temps. C'est incroyable. Trahan, pour ceux qui ne le connaissent pas, excellent pilote de karting, et là maintenant il est passé au prochain niveau, ça fait 2 ans pour ceux qui ont des billets au Grand Prix de Montréal là, en Formule 1600. L'année passée il a gagné, l'autre année d'avant il finit 2e. Tout ce qui touche se transforme en or, on l'appelait le Monsieur Midas. Ça va très bien pour lui là, et ça, au simulateur vous voyez que c'est très important des fois, il faut être capable de faire la différence entre le simulateur et le réel, mais Trahan est capable, aussi comme Boucher, là, de marier bien les deux et de montrer son très grand talent sur simulateur. Oh, et là, la Renault. Oh! Mais Trahan qui hésite un petit peu, là. Avec raison. Et là, c'est l'endroit de prédilection pour dépasser ici. Là. Oh! On a repoussé un petit peu à M. Lassard et c'est reparti. Et là, Poulain. Oh, et là. Je me demandais s'il n'y avait pas un problème avec sa voiture. Grand qui est déjà de retour en 9e position. Oui. Là, on va aller voir le temps qu'il se rende à l'autre pilote. Là. T'as 2 secondes de Poulain, mais l'avance de Poulain fond à vue d'œil.
Ouais. On va aller voir devant. Joseph Lucas, on va se mettre à bord de sa voiture. Nouveau pilote américain que nous autres. Oh, et là, ouais, lui qui a du beau trafic devant lui. Et Trent qui est de retour en 14e. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Wow, un petit peu. Oui, attends un petit peu, là. Oui, attends un petit peu, là. Wow. On est en reprise présentement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Trent? Est-ce qu'on a freiné trop fort? Oui! Perdu le contrôle. Oh, et là, qui a été chanceux qu'il sorte des jambes. Et voilà, qui s'enlève. Oh, c'est... Ouais. Ouais, c'est pas la soirée de M. Trent, même s'il nous donne tout un show, là, mais lui doit être très déçu qu'il est 18e présentement. Et je pense que sa course est terminée. Je pense que... Non, c'est pas sa soirée. On retourne en live. Malheureusement, J.C. Trent, malheureusement, ses chances de championnat sont mortes à soir. Là. Vraiment dommage. Alors là, on va surveiller M. Lessard, qui a du gros stock dans ses miroirs. Alors là, ce soir, c'est rempli de rebondissements. On pensait avoir un show en avant, pareil comme à Nürburgring. On a un beau 10 premiers tours. Mais, ouf, ça brasse. Ça brasse au Japon. Ah, ça brasse solide. Hey, bonsoir à toi, Golden Frankie. Un gros GG au pilote du All Trash. All Trash, excusez. Je me sens fourché dans ma langue. Qui sont en Porsche Cup. Merci, Frankie. On leur fera le message. Le All Crash, le All Trash. En tout cas, All Crash à soir, c'est très. ma langue s'est enfourchée. Désolé, mon cher man. Non, moi, je trouve ça bien drôle. Je suis le premier à faire ce joke-là. Quand ça brasse. Moi aussi. Parent et Meunier, ça brasse. On va aller voir son beau travail. Parent, excellent pilote avec nous autres. Lui, présentement, dans les Ligues d'hiver, il est en D2. Excellent pilote de D2. Lui, qui a une coupe de victoires, si je ne me trompe pas. En Division 2. Une en pick-up et une en LMS. Et je pense que c'est un des seuls, si je ne me trompe pas, qui en a une en routier et en aval. On va faire la petite enquête là-dessus. Une Williams en 6e, pas mal juste sur le track, on voit ça. Oh, et là, il est allé un petit peu large. Malheureusement. On va aller voir, là, derrière, dans la gang à Jeff Lemay, là. Gang de 5-6 voitures qui se suivent. Et là, Lessard aussi, là, qui a une bonne progression avec nous autres. Là, Bayarjon. Oh, je l'ai vu. Je pensais qu'il avait dérapé, malheureusement. Tout est beau pour lui. Là. Est-ce que c'est fini? Là, il est dans les puits. Ouais, non, ça fait longtemps, non. Il a carrément abandonné le projet, malheureusement. Là, on aime ça de l'avoir sur la piste. Sa course a très mal parti. Il était un petit peu gourmand dans le T1. Essayer de couper la run à boucher, mais... Est-ce qu'il vient de donner le championnat à Charlottetown? Ben là, écoute, c'était déjà quand même mal parti à 3 courses à faire. À moins que Boucher manque d'électricité, ou... c'est les garottes sont pas mal cuites. Écoute, là. Si Boucher manque d'électricité, regarde bien très à retourner en piste. Je suis pas mal sûr que si Boucher manque d'électricité, Trent va avoir quelque chose à voir avec ça. Vraiment, il est un peu loin. Non, c'est des blagues. Mais là, c'est ça. En avant, ben écoute, on va en profiter, Marc-André, là. Ah, ça va. Attends, on a encore du stock à voir avant de faire un true de field, là. Nicolas Rodrigue. Oh, qu'il est sur l'overtake, là, présentement. Oh, il rentre très fort, là. Et qui rit. Oh! Et là, Monsieur Lucas ne se laisse pas faire facilement. Et qui réussit à le passer.
Là, l'overtake qui est en recharge du côté de Nicolas Rodrigue. Oui, commence à prendre ses aises, qui est 12e présentement. Ça va très bien pour lui. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a une couple de clients là, qui sont finis. Là. Pipcho Pat, JC Trahan, Alex Labrosse, Jérémy Fournier. C'est quand même des gars qui font facilement des top 10 en SF. Là. Et là, Lemay qui est en train de essayer de se sauver, là, qui a pris un petit peu d'overtake. Et là, M. Lucas qui s'en revient, là. Oh, il a barré les roues complètement. Là, ça va permettre à Rodrigue de respirer un petit peu. Là, on va aller voir une petite bataille d'avant, là. Racine et Poulain, ça brasse. Ça brassait, hein, ça brosse plus. Ouais. 22 à faire. Là, le sort qu'on a. Pas le sort, mais le mec qu'on a plein les rétroviseurs. C'est toujours là, mon cher Marc-André. Oui, désolé, excusez, j'ai des hauts le cœur. Bon, merci à. Deux personnes. Kylian BST et Titouank. Les deux qui nous disent yo, merci à vous pour yes les sir. Follow. Ben oui. Est-ce que vous connaissez des pilotes sur la piste? Si oui, lesquels? Sinon, ben, quel genre de course vous écoutez? Dites-nous ça dans les commentaires. On aime ça savoir c'est quoi vos. Nous autres, au All Track, on roule de tout, comme vous savez. Et. Si vous avez des préférences, on est sur iRacing, le simulateur iRacing, alors si vous avez des suggestions ou des trucs comme ça, au mois de septembre, souvent, on prend les suggestions des gens pour notre mois de course hors concours. Hein. Alors, pour ceux qui s'intéressent, au mois d'avril, comme vous avez vu dans nos annonces, on s'en va complètement virer à gauche. On a deux ligues d'aval qui s'en viennent. Alors, dites-nous ça dans les commentaires. Et là, je pense que c'est le temps là, d'y aller avec un True the Field, mon cher Marc-André. Oui. Attends un petit peu, ça sera pas bien long. Oui. Je te laisse aller avec ça. Yes, en première place, 17 ans de Saint-Martin-de-Beauce dans la voiture WSR, c'est Charles-Étienne Boucher. Ça a passé proche. C'est ça, déjà. Oh, il est capable. Oh, en deuxième place dans la voiture, Advancim Racing, c'est Simon Thériault, 34 ans de Québec. En troisième place dans la voiture, Chips, 27 ans de Montréal, c'est William Boisvert. Quatrième place dans la voiture, Moza Sim Racing, 39 ans de Granby, c'est JP Gendron. En cinquième place dans la voiture, Shake Sim. ARQ, c'est Benoît Meunier, 50 ans de Québec. En sixième place dans la Williams Racing, c'est 32 ans de Québec, Hugo Parent. En septième place dans la première des deux Nordiques ce soir, c'est Olivier Racine, 17 ans de Saint-Jean de Lalande, Québec. De Lalande. En 8e place, la 2e Nordic Sim Sports, c'est Olivier Poulin, 30 ans de l'Epiphanie. En 9e place, dans la Renault, Fernando Alonso, 31 ans, Saint-Raymond, c'est Michael Lessard. En 10e place, c'est Justin Xenian, JP Tremblay, 30 ans de Chicoutimi, dans la voiture Alpha Poutine Honda. De Chicout, et là, plus 6, redis-le, plus 6, redis-le. Oui, en 11e place, dans la McLaren... Ouais. 38 ans de Terrebonne. Oui, monsieur. En 12e place, Joseph Lucas, 39 ans, de Venice, en Floride, dans l'autre McLaren. Pas sûr qu'ils se connaissent, par exemple, les deux. Non. En 13e place, 42 ans de Lévis, c'est Jeff Lemay.
dans la voiture Drive Motion Batteries. Il est là, imagine, il est là! En 14e place dans la Rumble Racing, numéro 46, le pilote de 44 ans de l'Ange Gardien, Simon Madjin. En 15e place dans la voiture Oxymore Orange et Bière, voici Gab Lafrenet, 29 ans de Saint-Gilles. Et tout de suite derrière en 16e place dans l'autre Oxymore, cette fois-ci Bleu et Bière, c'est Carl Baillargeon, 42 ans de Saint-Aurélie. En 17e place, dans une personne. Oh, il est arraché. Oh, on a une coupe de char arraché. Simon Lemieux. Francis Cummings, oh, on a des gars qui ont de la misère. Et là, après ça, ouais, il reste 16 pilotes en piste, malheureusement. Alors, on retourne sur la piste. On a Gendron, on va aller voir Gendron, on l'a pas vu beaucoup depuis le début de la course. Qui est à la poursuite de Monsieur Boisvert pour la troisième marche du podium. On a un peu moins de la moitié de la course de fête, tout le monde. Là, on a quelques batailles. Là. On a Gendron et Boisvert. On a Parent et Meunier. Encore Parent et Meunier, ça. Ça brosse un petit peu. Et là, Boucher qui prend beaucoup d'ascendant sur Thériault. Là. Ouais. C'est ouais, je suis pas mal déçu, par exemple, 4 ans. Je le comprends, de savoir déconnecter, il n'y avait plus aucune chance. Puis je veux dire, il devait être très frustré de son T1, mais j'aurais vraiment aimé ça, voir la calibre qui était très serrée. Ouais, ça nous prive d'un méchant show, mais écoute, ça fait partie de la game. C'est comme ça que ça fonctionne. On va le voir aussi, Monsieur Poulain, qui court après son coéquipier Holly Roots. Comme je le disais, il reste seulement deux courses au Super Formule, soit Long Beach, comme je disais ça, si vous pensez qu'il y avait des chars arrachés, si vous pensez qu'il y avait des chars arrachés à Okayama, Long Beach, ça va coûter cher de ciment. Sinon, la dernière, et évidemment, oui, vas-y, excuse-moi. The Hunter 71 nous demande, y a-t-il une série IRX de prévu au calendrier prochainement? Est-ce qu'il y a un intérêt des pilotes? Oui, ben écoute, on essaye toujours de faire une ligue de comment on dit sur iRacing, de Dirt Road. Cette année, on fait du Pro 2. Puis il y a deux circuits de Rallycross. Écoute, si ça t'intéresse, envoie-nous un message sur notre page Facebook. Ça me fait plaisir de t'inscrire. Si tu veux essayer tous les autres championnats qu'on a, notre page Discord aussi. N'hésite pas, envoie-nous un message sur la page All Track Challenge sur Facebook Messenger. On va te répondre, on va répondre à toutes tes questions, on va te donner le Discord de la Ligue, inscription gratuite évidemment, puis on donne un service personnalisé pour les peintures, là. Si t'as des compagnies à plugger, etc, etc. Mais non, c'est ça, pour répondre à ta question, les Rallycross, on a fait l'an passé, c'est Charles-Étienne Boucher qui avait gagné le championnat. On a fait 4 courses là, cette année, comme je disais, c'est des Pro 2, parce qu'on a 10 championnats par année, puis on peut pas tout toucher, déjà qu'on fait des très petits championnats, là. Tout est en lien avec notre division élite, évidemment. Mais non, je sais pas si ça répond à ta question. J'espère que c'était clair. Donc, si le Pro 2 t'intéresse, ben écoute, fais-nous signe. C'est tour à faire, mon cher Marc. Oui, monsieur. 8 secondes d'avance pour Charles-Étienne Boucher. Oui. J'aurais vraiment aimé ça, voir... qu'on puisse être capable de faire arrêter les gars, au moins pour des compounds. Là. Un petit peu plate, mais. Quand même quelques batailles là, sur la piste. Moi, Gendron qui se rapproche petit à petit. Et là, pour les positions gagnées, on a quelques candidats. Je pourrais peut-être les montrer. Là. Hugo Parent, qui est plus 5 positions gagnées. On a la Renault de Michael Lessard, la Benetton Renault. Sinon, on a JP Tremblay. C'est pas une Benetton, man, c'est littéralement une Renault, ça. Ouais, ok, ouais, dans le temps, Benetton était bleu. La dernière année de Benetton, c'est 2001. Et à partir de 2002, ils avaient cette nouvelle livrée et c'était devenu Renault. Comme je le disais, on a M. Lessard. Après ça, on a M. JP Tremblay qui est plus 5. On a Rodzilla en 11e qui continue de monter, plus 6. Et après ça, ben écoute, Madjin qui est parti en arrière, mais qui est toujours bien, plus 9.
Profiter des malheurs des autres, mais lui, il roule encore. Puis c'est ça qui est le plus important. Alors, oh! Là, je viens de voir, ça brossait. Oh, et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a... Oh non! C'est qui... Je viens de voir un pilote. Il descend. Oui, ah oh, oui! Oui, c'est en plein ça. C'est lui qui descend au classement. Oui. Je le cherchais, je le trouvais pas. Je pensais pendant une seconde que c'était apparaît. J'ai vu le bleu. Je peux voir la bonne teinte de bleu. On va essayer d'aller voir ce qui s'est passé de son côté. C'est à la même place que Trahan, tantôt. J'ai écrit Thériault de loin, sur le coup, mais... Non, c'est ça. Il y a Cummings aussi qui est dans les puits. Prendre le replay, là, vu que c'est relativement calme sur la piste. Oui, encore à même place. Un petit peu trop de rotation, un petit peu trop de gaz. Ouh, mais au moins, on n'a rien touché. C'est fait dépasser, c'est malheureux, lui, qui avait perd 4-5 positions, là, qui va perdre son vote, là, puis le pilote Joe, là, malheureusement. On retourne en live. Surveillez le beau travail de Poulain. Poulain, comment il a perdu une coupe de dixième par rapport à tantôt. Là, 14 affaires. Et là, c'est très calme sur la piste. Là. On va rester un petit peu avec Oli. Un circuit Okayama qui sert beaucoup au Japon, qui avait eu un Grand Prix de Formule 1 au début des années 90. Je pense que c'est Michael Schumacher qui avait gagné. Et c'est ça, comme je le disais, iRacing qui a rescanné ce beau circuit-là l'année passée. C'est un circuit quand même, qui vient avec Bodytop qui dit Go Nordique. Ah, ce cher... Willy B. Parle de la Nordic Sim Sport, pas de l'équipe de hockey. Ouais, ok, ouais, ouais, c'est le UES qui est. Hey man, hey man, c'est ta propre équipe, man. Non, c'est l'équipe à Monsieur Brou. Moi, je suis juste donné des petits coups de main avec les peintures. Mais on salue le DG de l'équipe Nordic Sim Sport, Monsieur Kevin Bro. Qui nous aide aussi avec les directeurs de course. On salue nos directeurs de course ce soir qui est parti se faire des popcorn. Parce que. Et là, Rodzilla qui est de retour dans l'action. On va surveiller son beau travail. Oui, oh, qui se rapproche dangereusement de Tremblay. Est-ce que Tremblay aurait des dommages? Je suis curieux. On va voir la voiture de près. Là. Non, pas nécessairement. Là, aucun des deux a le boost non plus. Oh, et là... Rodrigue qui est dans son. Dans sa boîte de vitesse, c'est même pas drôle. Ouf! On bloque les roues du côté de Rodzilla. Et là, Joseph Lucas qui se rend toujours à. Oh! Et là! À Rodrigue, mais qui a des erreurs qui se passent du côté de Joseph Lucas, mais qui est très rapide, il est toujours capable de se rendre. Avec 12 affaires, je pense qu'il va être capable de se rendre à cette gang-là. Tremblay qui fait très bien, il est dans le top 10 présentement, j'ai hâte d'avoir les points aussi, là. Avec tous les gars qui ont eu des abandons, surtout Trahan, mais Trahan qui avait quand même bouché Trahan, qui avait une bonne avance sur les autres. Là. Mais Simon Lemieux, je crois qu'il était dans le top 12. Sinon, Meunier qui va peut-être se présenter dans le top 12 peut-être, là, vu qu'il y en a une bonne dans le système. Oh! Là, on va le voir. Parrain et Meunier, ces deux-là, c'est toujours dans la seconde.
11 affaires. Et là, Boucher, son avance s'accentue de tour en tour, qui est rendu à plus de 10 secondes. Il y a 17 secondes sur Boisvert. Et là, Gendron, qui a encore des chances de podium aussi, on va surveiller ça. Présentement, qui est à... Ben, techniquement, je te dirais que... Meunier, peut-être aussi, s'il arrive un incident entre oui, Boisvert et Gendron. Oui, c'est certainement. Oui. Mais sait-on jamais. Oui. On est encore loin un petit peu. Et là, pour les... Hey, c'est Kevin Norris dans les commentaires. Comment est-ce qu'il va, mon beau Norris? Yes, sir. Là, le pilote qui a gagné le plus de positions purement durant la course, Simon Magin, qui est plus 10, mais là, lui, il doit trouver l'ongle dans un no man's land à 5 secondes de l'aimer et que Lafrenet le poursuit mais 7 secondes plus loin. C'est, ça doit être long, longtemps. Thank you pour le follow, by the way, mon cher Norris. Oui, monsieur, merci. Ça, Kevin Norris, ça en est un, ça, que... Faudrait qu'il fasse Arrête son pas entrée. Dire que tu veux avoir au All Track, mais. Ouais, ben. Moi, je le veux. Va-t-on lui. Le voir un jour? Je me sens rejeté par M. Norris. Bonsoir, non, à Lucia de Watfin. Je pense que Vels qui continue à dire des belles niaiseries. Oui, monsieur. Il dit Forget, sais-tu pourquoi les belugas sont non, en voie d'extinction? Non, va pas là. Passer de belufille. Norris, il dit Pantou, un down iRacing. Et là, oh oui! Ça s'est venu bien près entre Bayarjon et c'était. Oui. Qui était-ce devant lui? C'est M. Gendron. Gendron qui l'a appris. Je trouvais ça bizarre parce que Lessard n'est plus en piste. Non, il est encore en piste. Il est encore en piste, mais 15e, il est tout seul, M. Lessard. Ben là, oui, mon cher Norris, on roule les TCR les mercredis. Oui, monsieur. Et ces belles voitures-là, les dimanches et par la suite sur notre Discord, il y a les horaires. Pour les autres championnats qui s'en viendront par la suite, il y a du ARCA, il y a la Dirt Week, il y a les LMS, les GT4, les LMDH. Oui. Bref, il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts pour ceux qui aiment virer à gauche et à droite. Il en reste deux là, ce mois-ci, deux TCR et deux Super Formule. Si ça te tente de sortir ta rig, Sa série de radicales se termine ce mercredi, donc tu pourrais venir faire la finale de TCR et ensuite, ben, il y a LMDH et les GT4 aussi pour le routier. Oui, monsieur. Donc, on voit Boisvert. Roule est là. Le Meunier qui fait une belle opération. La voiture Shake Sim, Apex Racing Québec, ça, sans tout dévoiler, on va avoir des très belles annonces, on est très contents. Oh! Il dit je pourrais amener Arnaud Genet, qui est un autre excellent pilote. Ben oui, on les veut tous. On en a pour tous les goûts, fait qu'on serait bien contents de ça. Boisvert qui s'est un petit peu distancé de JP Gendron dans les derniers tours. Toujours c'est dans la seconde. Environ une seconde. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Vézina qui continue avec les commentaires douteux sur Twitch. On l'aime comme ça ou on l'aime pas? Ça serait drôle que le Wisebot le bannit. Non, Wisebot, c'est un nombre de mots pour un premier message qui bannit. C'est pour prévenir du monde qui spam de la fausse publicité. Oh, elle attend un petit peu, là. C'est quoi pour vous autres? Heureusement ou malheureusement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec Rodilla? Oh oui, un petit peu trop de gaz! Oh! Ah non, c'est très léger, là. Il n'y a pas matière à écrire à sa mère là-dessus. Viper Killer qui nous demande, vos séries comptent pas mal de circuits payants quand même. Ben écoute, la GT4, c'est tout gratis, à part le char évidemment. La série de GT4, c'est tout gratuit. Sinon, ben écoute, les LMDH, c'est des circuits que si t'as pas sur iRacing, tu manques quelque chose, là. C'est la triple couronne d'endurance, là. Daytona, Sebring et Le Mans. Puis on a rajouté Spa. Alors, n'importe qui chauffe un peu de routier sur iRacing a ces quatre circuits-là. Sinon, qu'est-ce qui reste en routier? C'est pas mal ça, je crois. Oui, c'est sûr. Je me retiens de ne pas rire avec les commentaires à Vez parce que moi, c'est mon genre d'humour 100%.
Mais on fait souvent des Norris pratiques, qui... monsieur. Je sais pas c'est qui parlait dans les commentaires. Là, qui me disait que les... Norris mentionnait que les peintures étaient belles. Gracieuseté de Emmanuel Forget, que vous entendez également de... Alex Monette, Monette Virtual Paint Shop. Si t'en as besoin des peintres, c'est qui appelé? On va en faire des belles wall tracks, c'est des compagnies à plugger, on va faire ça pour toi. Une belle livrée Volvo Brassard, mon cher Norris, là. Pourrait même y faire un Super Lake Volvo, j'ai les peintres pour. Un LMS Volvo. J'en ai déjà fait un, il était très joli. Mais là, Boucher qui est en feu. Et là, comme je le disais, avec les incidents qu'il y a eu en début de course, c'est presque fait du côté du championnat. Ça va payer un pneu pour son Sportsman. Ouais. même pas, parce que là, les pneus, apparemment, quelques pilotes qui ont chialé, là, ça a monté à 260$ de la semelle. On en prend une trentaine pendant la saison. Fait que, ça fait bobo. Ça fait mal au portefeuille. Écoute, Norris, si tu trouves que Sophie est partout, c'est peut-être parce que toi aussi, tu es partout. Je comprends rien. Bon. Là... Charlot, il mène, mon cher Norris. Il mène le championnat et il mène la course, les deux, de façon très aisée. S'il continue comme ça, il va se mériter une belle bourse de 200$ pour le championnat. Joseph Lucas qui a fini par dépasser Rodzilla, j'ai un replay pour vous autres, tout le monde. On a de quoi regarder. Oh. Et là, je cherche le dépassement. Je ne le trouve pas, attendez un petit peu. Je vais recommencer. J'espère que... Ah oui, c'est ça. Attends. Non, c'est une erreur. Je m'excuse, on retourne dans l'aide. Ah oui, là, ces deux-là, là, on s'en va beaucoup amuser là, pendant la course. Là. Encore, là, on a tremblé Lucas et Rodrigue, là. À surveiller pour les 5 derniers tours. Ouf! On pousse du côté de Rodzilla. Le lui qui est son. Merci à Ty Rapp pour le follow. Qui était l'ancien coéquipier de Nicolas Rodrigue en Formule 1. Ben oui, c'est lui mon champion de Spa-Francorchamps. Oh, et là, Rodzilla qui va passer Monsieur Lucas. Où va-t-il le passer? Il est bien parti pour. Oh, et là! Joseph Lucas qui essaie de garder l'extérieur sans succès. Norris qui dit « Bon, je dois y aller, mais va falloir que je joigne ça, cette ligue-là. Anytime, mon beau. » Ben oui. Passe une belle soirée. Ty Rapp qui dit « Coucou les garçons. Coucou à toi, Ty Rapp. » C'est M. Gavramont, ça, si je ne me trompe pas. Pas Nicolas, un autre. Et là, on a du McLaren, on a du McLaren crème. Mon cher Marc-André, Joseph Lucas et Nicolas Rodrigue qui nous en donnent pour notre argent. C'est très calme dans le restant de la grille. Là, avec 4 tours à faire et trembler dans l'Alpha Poutine qui est quand même capable de retenir tout ce beau monde-là. C'est sûr qu'en se dépassant comme ça, en s'échangeant les positions, ils se nuisent un petit peu du côté du lap time, mais M. Tremblay... capable de garder sa petite avance. Belle bataille pour le top 10. Je cherchais le battle box, oui, je l'ai ici. Par le trouver. Ah non, qui est caché par le. Je vais l'enlever, je vais faire une petite correction là-dessus, là, qui est caché par le truc de. Bon.
ont bien de la misère. Oui, The Hunter, on course toujours en fixe setup. Toujours en fixe, oui, c'est comme ça. Y a pas personne qui fait des setups pendant 8 heures d'attente. Mathias, pour faire référence à nos bobettes, qui dit on course même en bobette. Oui, monsieur. Non, on privilégie les. Oui. On privilégie les fixes setup parce qu'on veut vraiment savoir c'est qui le meilleur pilote et non le meilleur crew chief. Je sais qu'il y a beaucoup de séries, dont les séries vraiment élites, comme la Porsche Super Cup, la Porsche Cup Canada, qui marchent avec du open setup. Mais nous, c'est tout le monde égal, tout le monde est pris avec la même dompe, comme on dit. Oh! Erreur de Rodzilla. On avait une bataille avec Joseph Lucas, mais là, malheureusement, il a perdu le contrôle. Et là, derrière, c'est Boucher qui va passer. Et voilà. Et là, devant, on a une nouvelle bataille. On a Racine. Et... court après Monsieur Parent. Ah oui! OK, non, je pensais que Munia avait dépassé Parent, mais ça fait longtemps de ça. Alors, à deux à faire. Oh! Encore M. Lessard? Non, c'est qui ça? My God, de la misère. Là, deux à faire. Là, tu rejoins, je m'entends dans mes écouteurs, je comprends pas trop. Oh, c'est pas normal, désolé. Au moins, on a des petites batailles par-ci par-là. Je viens l'ajuster, tu ne devrais plus t'entendre. Oui, monsieur. Tout est sous contrôle. Merci de me l'avoir mentionné quand même. Oui. Et là, Poulain. Oh, et là, c'est drapeau blanc. C'est relativement surveillé. Oui. Bouché. C'est un dépassement entre. Monsieur. Pareil, monsieur Racine, on va vous montrer ça à l'écran. Mais là, Bouché. Bonne soirée au bureau. Belle soirée de lapping. après le premier virage, ne plus c'est jamais terminé. Eu à s'inquiéter. Non, et, c'est ça. Il a quand même pris 14 secondes sur Thériault, qui est très impressionnant. Impressionnant. Comme il l'a dit lui-même, depuis qu'il a réussi à battre Antoine en routier en division 1, depuis, il a pris un step. Oh, c'est oui. Ce qu'il a dit lui-même. Il dit, ça lui a fait du bien, ça lui a comme débloqué quelque chose. Et depuis ce temps-là, il est... il est un tout autre pilote. Il est pas tant bloqué, mais ça peut l'avoir débloqué encore plus. C'est tout à son honneur. Très content de l'avoir avec nous autres. Une machine. Pas tant qu'il avait besoin de débloquer grand-chose, mais juste comme non. Le petit déclic de plus, oui, de monsieur. Confiance pour... Et Boucher qui gagne la cinquième manche à Okayama! 4 victoires en 5 épreuves! Charles-Étienne Boucher, mesdames, messieurs. Et là, les pilotes vont s'en venir. On a Thériault qui passe la ligne. Oh oui, ça, on a eu une belle petite bataille ici, là. Entre Lemay et Magin. Lafrenet qui passe la ligne. Ensuite, on a Boisvert. Regardez ça à l'avant, ça. Boisvert. Gendron. Et voilà. Là. Lessard, une course un petit peu difficile, malheureusement. Et là, pendant qu'on voit M. Meunier s'en venir passer la ligne, je vais en profiter peut-être pour aller voir, comme je le disais, il y a une belle bataille en fin de course entre Lemay et... je me souviens pas qui, je pense que c'est Magin, entre Lemay et Magin. On va aller voir ça, là. En reprise, avant d'aller... en pause. Oui, c'est ça. C'est ça. Imagine que tout fait là pendant présentement, c'est le dernier tour là. Regardez ça. L'avant-dernière courbe. La dernière courbe. Oh oui, regardez ça, Imagine. Oh oui, regardez ça. Oh! Oh! Mais Lemay qui était capable de le coiffer à la fin. Belle shot, ça, de Lemay, là. Et là, vous avez le top 20 de la course. Alors, on va en profiter
pour aller en pause, aller tout chercher le top 3. Et ah oui, il faudrait faire le vote pour le pilote du jour, hein, mon cher. Oui. Écoute, pendant la pause, on va partir ça. Man va me dire les positions gagnées. Ben, vous pourrez commencer à voter pendant la pause. Avant de faire la pause, on va le dire au monde là, pour qu'ils se prêtent mentalement. Je pense Hugo Parent, plus 5, on va le mettre. Hugo Parent. On va le mettre leur petite face à l'écran. Rodrigue. Monsieur Rodrigue, oui, plus 6. On a. Plus 6, Monsieur Rodrigue. On a JP Tremblay. Plus 6. Et on va en mettre 4 à soir. Là. Fait que je pense que c'est ça qui est ça. Sinon, Monsieur Magin, plus 10, lui qui est un peu plus loin. C'est le plus loin des 4. Mais plus 10, c'est pas négligé. Alors, c'est parti. 5 minutes, le vote est lancé. Oui, monsieur. Alors, on s'en va en pause. On revient dans justement 5 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. bbsoft.ca Mamba Nutrition Pièce d'auto Fernand Bégin Aménagement ML FR Construction MVP Monette Virtual Paint Shop Yacht 45 Montréal MaxSwap Mécanique Haute Performance Simbox 62 ainsi que Advance Sim Racing. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de Sim Racing. SimuTube, Acetec, Huskenfeldt, V&M, Trustmaster, Moza, Cube Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. À venir bientôt au All Track. Préparez-vous pour du stock car. Beaucoup de stock car. Premièrement, la série nationale ARCA débarque au All Track dès le 3 avril pour une série de 4 courses pour notre prochain championnat des mercredis. Rendez-vous à Richmond, Rockingham, Nashville Fairgrounds et on termine ça au mythique circuit de North Wilkesboro. Prenant le contrôle des dimanches du All Track dès le 14 avril, une des favorites des pilotes, célébrons le retour des LMS chéris de nos pilotes sur Short Tracks. Kern County, South Boston, Southern National, Slinger Speedway, Five Flags, le Paperclip de Martinsville et Nashville Fairgrounds vous attendent. Ça sent le stock car au All Track. Oui, monsieur, on est avec notre troisième place, comme il disait, j'étais curé de venir ici, pas sûr, je pense qu'il est content d'être là, notre troisième place avec nous autres,
Willie B, j'aime ça dire Willie B numéro 2 parce que l'autre il y a plus d'ancienneté que toi. Ouais, je suis. Je suis pas d'accord, Will... mais je vais l'accepter. Ouais. Will Boisvert, comment ça va, Will? Ben, ça va très bien. Yes, sir. Je suis content d'avoir un autre podium. Une chance que Boucher et Trahan se sont sortis au premier curve. Si je l'ai vu arriver devant moi, mais j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé, la faute à qui, peu importe. Fait que. Puis Thériault, je m'attendais pas à ce que. Ben, en fait, je suis vraiment pas surpris qu'il soit rapide, mais de même, avec les temps de calife, je pensais que j'avais peut-être une chance, mais une fois qu'il m'a passé, man, ciao bye. Puis. Et ça, belle course avec Gendron, il m'a poussé dans le cul tout le long, man. Puis. J'ai pas vraiment fait d'erreur, tu sais. Des fois, ça joue au yo-yo, là, j'avance un petit peu plus. Puis des fois, il me rattrapait, puis tout ça. Surtout après l'épingle, là, après la longue ligne droite, là, où on pouvait mettre du boost, là, un des seuls endroits que ça marchait. Là. Les deux curves à droite, là, après la petite côte, tout ça, des fois je le pognais mal, puis là je perdais une couple de dixièmes, puis il me rapprochait, mais c'est ça, ça avait un été, je suis content. Mais écoute, c'est super. Ouais, non, ça, j'ai hâte d'avoir d'un point. Je sais pas si tu peux aller voir ça, tu rejoins. Moi, je peux. Mec, j'ai trois écrans, ça va être plus facile. Là, j'en ai deux et demi. Là. J'ai changé mon setup un petit peu. Là, j'étais curieux, deux et demi, est-ce que t'en as six, une en deux? Puis oui, en plein ça. Je me demandais pourquoi qu'elle marchait pas. J'ai sorti ma... C'est ça. Et voilà. Mais hey, écoute, good job, Boisvert. Écoute, c'est pas plus compliqué que ça à soir. C'était un petit peu. On s'attendait à plus d'action que ça. Mais je pense que vous n'avez tout eu un peu à votre façon. Mais vas-y avec tes sponsors, ton équipe. Ben, je remercie Archer Brothers Racing, comme d'habitude, puis tant qu'à faire, je sais me têter un commanditaire, je veux remercier la Bat 50 qui m'a hydraté tout le long de cette course. Oui, ben, tu sais, Alex Gagné, il va t'envoyer, il a tout le temps ses peintes la Bat, lui, il va t'envoyer une petite caisse, c'est super. Wow, c'est bon. Parfait, ça. Ouais, moi, je suis le seul, vous êtes tous sa brosse à soir, moi, j'étais à l'eau, c'est quand même pas pire. Ben, la brosse... on est pas sur les genoux d'Alex. Ouais, c'est ça. Ça, je m'en allais dire. On salue Monsieur Le Brody. Écoute, hey, yes sir, Boisvert, on se revoit bientôt en TCR dans 3 jours. Yes, je pense pas que je travaille, je devrais être là. Super, on est bien content. Une belle bataille pour le championnat, ça aussi. Oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va bien tes affaires. Yes sir. Yes sir. Yes. Merci salut. Les gars, salut. All right. Salut à toi. Fait que là, on va amener que nous autres... Hey, le vote du pilote du jour, ça ressemble à quoi? C'est-tu fait? C'est-tu pas fait? Simon Magin. Oh! OK. Ben, attends un petit peu. On va parler... Thériault. Ah, il est revenu. Pendant ce temps-là, je vais te laisser commencer l'entrevue avec M. Thériault, puis je vais essayer de rejoindre M. Magin, mon cher. Bonsoir, M. Thériault. Oh, oui, comment allez-vous? Salut, les gars, ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, toi. Écoute, ça a été quoi ta réaction dans la voiture quand t'as vu Trahan partir en perdition de... Ben, moi, je me disais, peut-être troisième, mais pas deuxième. Mais, tu sais, ils sont pognés ensemble, les deux, Charles puis JC. Mais là, c'est des choses qui arrivent. Si tu veux faire, c'est de la course. Hein. Ouais. Mais je pensais, Boisvert, puis, c'était qui? Gendron. Gendron, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas décollé pendant toute leur affaire. Puis là, j'ai comme fait, oh, on passait en D2. Puis là, c'est ça, après ça, ben, je savais que Charles allait être plus rapide. Là. J'étais comme, bon, c'est, vas-y, moi, je vais suivre mon pace. Puis, tu sais, je connais pas le char vraiment à fond. Là. C'est comme la deuxième fois que je le chauffe. Puis, tu sais, là, à soir, j'ai pratiqué un peu plus, ça paraît, là. Tu sais, que versus l'autre fois. Là. Non, c'est ça qu'on se demandait, parce que des fois, vous autres, tu sais, puis en plus. T'sais, vous êtes tant dans des grosses compétitions, tu sais que tu fais pas à Porsche Club, mais tu sais, on sait jamais, tu as d'autres ligues, whatever. Des fois, tu arrives pour t'amuser parce que veux pas, tu sais, entre guillemets, c'est con à dire, mais même si tu pratiques pas dans ces chars-là, surtout, moi, je trouve que, tu sais, je veux dire, si tu fais pas un top 3, c'est parce que tu files pas. Puis, gars, aujourd'hui, ouais. Tu as pratiqué plus, c'est sûr que là, Boucher, il est vraiment rendu sur une autre planète, ouais, là, présentement. Ouais, mais ouais, non, c'est ça. Mais non, good job, ouais. Tu sais, tu as gagné notre championnat de l'MP2, tu sais, tout ce qui est Hide on Force avec nous autres, tu es une machine. Puis c'est une belle deuxième pour toi à soir, là, sérieusement. Ben, Bad, tu vas rire, mais tu sais, genre, arrêtez, tu sais, ça, je disais à Guillaume, l'évêque, là. Tu sais, ça, je disais, arrêtez, j'en chauffe plus de char Hide on Force. Là, ok. J'ai beaucoup de LMDH, LMPD, ouais. Et tout, mais à ce temps, j'étais un gars de GT3. Ah ouais, t'es sérieux? Ah ouais. Ça, je disais à Guillaume, j'ai dit, pas d'abord, je vais dire ce que je suis à chauffer. Ah ouais, les gars, ils t'appellent juste pour ça. Ah, hey, viens, attends, non. À ce temps, je roule juste du GT3 pas mal tout le temps avec les gars et tout. Là. Mais tu sais, j'aime ça pareil, là. C'est pas que j'aime plus ça. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste drôle.
Non, non, mais c'était le fun pareil à soir. C'est juste que, tu sais, bah, ça a été un peu du lapping, là, mais, tu sais, Ben, c'est c'est ça. fun pareil. Mais C'est les ça. formules, des fois, mais on a quand même été chanceux pour vrai depuis le début. Mais il y a toujours une bataille en quelque part, fait que déjà là, c'est Ah, bon. c'est ça. Ouais. C'est sûr que toi, comme tu disais, toi puis Boucher, ça a été pas mal un track day. Mais écoute, Ouais. ça fait partie de la game. C'est un peu ça la Ouais, mais formule aussi, là, tu sais. ça arrive, là. Ça arrive. Mais tu sais, le char, il est le fun. Mais tu sais, je me disais, ah, si je pousse plus. Tu sais, je matchais pas à 100%. Tu sais, je matchais pas Charles, mais tu sais, je le savais. Mais tu sais, je me disais, si je pousse plus, il y a des risques que je me plante. Je vais suivre mon pace, puis ça va finir là. C'est ça. C'est bien correct aussi. Parce Mais qu'elle peut être trade, là. ouais. Tu prends un petit bout de pelouse de Oui. terre, là. C'est pas trop long qu'elle se retrouve dans le mur, comme un calife qui m'est arrivé, là. En Oui, qualif, peut-être, je l'ai échappé au dernier virage. Là. Ou à mon troisième lap, là, après ça, oublie ça a gâché mon quatrième. Là, les terres, il était cuit. non, C'est ça. vraiment. Mais écoute, il y a une couple de gars qui ont perdu le contrôle. Le char mané avait bien de la rotation là, d'un petit S Ouais, avant c'est la ça. fin. Là. Mais C'est ça. non, non, ça a bien été. Écoute, tu me disais que. Petite parenthèse, tu me disais que tu étais plus rendu en GT. C'est peut-être pas de la GT3, mais cette année, tu sais, ça fait 2 ans qu'on faisait de la GT3. Puis là, cette année, Ouais. on y va, on enlève un petit peu de chevaux vapeur, on s'en va en GT4 là, plus tard dans l'année, en tout cas, en espérant de te voir là. Non, 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 mais là, Charles va être là, il va être trop vite, là, il va être trop habitué avec Ouais, la. avec sa Porsche, ah, oh, sacrifice, ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Il va avoir bien de la Porsche. Mais écoute, Simon, toujours un plaisir, une belle deuxième. Je sais pas si ça va te mettre au championnat. C'est sûr que là, t'en as manqué une Oh ben coupe. non, non, Puis mais c'est juste la. pour le fun. Ah, ben oui, non, mais tu sais, quand tu vois le logo Advance à côté de ton nom dans le top 12, c'est toujours plaisant. Mais j'ai hâte de voir aussi que ça te place. Mais écoute, ben, c'est tout le temps le même sponsor, mais vas-y, plug-les, c'est le temps. Je veux remercier Advance Sim Racing, puis Perry Auto, puis tous les gars, puis vous, Full String. Tout le temps, ça coche. Les On gars, tout le essaye. temps On là. essaye. Mais merci à toi. Ben, T'es merci. un gros stud pour nous autres. Puis ça va bien tes affaires. Puis surtout en TCR, là, t'as des grosses chances pour le championnat avec deux courses à faire. Fait que Hey, lâche tu veux pas. asseoir, j'ai pas fait de faux départ. Ah! Et ça c'est ta fois dans l'année ou dans 2 ans que tu l'as fait, sûrement, là, c'est chiant, mais regarde. Au moins, t'es encore leader. Ça a bien été. On va mettre un petit peu de piquant. C'est ça. Ben oui, ça après. Yes, sir. Ben écoute, Vas-y. ben content de t'avoir avec nous autres. On va te laisser aller. Yes, Puis, merci, gars. lâche Ouais. pas. On se revoit bientôt. Yes, sir, Simon. Salut. 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 All right. Fait que là, on a-tu Monsieur Imagine avec nous autres? Non, mais on a Monsieur Boucher, par Ah, exemple. on va amener Monsieur Boucher, puis si Monsieur Imagine répond à l'appel, on va l'emmener avec nous autres. Je sais pas si Monsieur Sinon, Giroux ben. écoute. Je l'ai texté, en tout cas, l'appel est lancé. Bon, on va y aller avec Monsieur Big Big Winner, Comment allez-vous? Charles-Étienne Boucher. Moins bien que toi, sûrement. Belle win. On va en rajouter une. Ouais, c'est pas vraiment la manière que j'aurais préféré gagner, là, disons ça, mais. Non, c'est sûr, C'était pas mais vraiment de ta faute non plus, là. sûrement que JC t'a texté, moi il m'a texté, il sentait mal, pis tout, mais je gaz. Au moins, Ça t'sais. t'est mal, ça c'est sa cour. Non, 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 je sais bien, mais t'sais, il était malaisé un peu, mais j'ai dit, gars, c'est des affaires qui arrivent, pis au bout de la ligne, t'sais. Il a fait un move un petit peu gourmand, mais t'sais, ça fait partie de la game, pis t'sais, comme on dit, côté sécurité, c'est le rig, c'est le simulateur. On s'en fout un peu de la sécurité, là. Mais toi, t'as été capable de continuer. Lui avait brisé quelque chose sur l'auto. Puis après une coupe de tour, il a décidé de pull the plug. Là. Mais non, c'est des choses qui arrivent, je pense. Mais rendu là, toi, c'est sûr qu'on veut pas gagner de même. Puis ça, je pense que ça aurait donné un méchant show parce qu'en qualif, il avait la pole. Puis, mais toi, t'as un méchant départ à comparer de lui, si je me trompe pas. Non, exact. J'ai quand même Non, eu c'est un ça. beau départ, mais j'ai spiné les roues une mini affaire juste pour dire. Après Ouais. ça, j'ai slacké, puis j'ai réussi à me mettre à sa droite. Puis après ça, les choses historiques sont arrivées. Mais non, sincèrement, si JC, ce serait pas jinxé, malheureusement, il aurait eu la win. Il était tellement rapide, c'est fou. Pour Ouais. vrai, même en quali, Ou on peut dire que j'ai barré à l'airpin, mais je pense que pas mal tout le monde a barré à cette place-là. C'était quand même dur d'avoir Oui. right le corner. Fait que non, ça a arrêté une bonne victoire pour JC. Bon, c'est quand même triste. C'est sûr que pour le championnat, ça fait mal. Je pense qu'il est 20e. C'est sûr, comme je disais, le championnat, pas mal mort, mais c'est des petits championnats. Non, celui-là, il est 7 courses, mais c'est 7 courses, pas long. Là. Ça prend une mauvaise, puis ça fait mal. Mais gars, Then... je
Je pense que depuis le début, JC nous donne tout un show, toi puis lui, c'est des belles courses. Il y a quand même une win dans la saison. Fait que, t'sais, oui, tu domines le championnat relativement, mais je pense que JC est capable de... Non, non, mais tu sais, je veux dire, il y a quoi, il y avait quoi, 18 points d'avance avant la course d'asseoir, tu sais, je veux dire, c'est sûr que Mr. Butcher, depuis la D1, m'a dit de quoi, on en parlait un peu dans le live, là, tu sais, depuis que, c'est quoi en anglais, got the monkey off your back avec Antoine Lacharité, là, t'es venu à bout de le battre, puis après ça, c'était une après l'autre, une pole après l'autre, je pense qu'elle t'a pris un bon step. Là, je pense que c'était psychologique à ce niveau-là. Pour vrai. C'est plus ça. C'est tout dans la tête. C'est pas au niveau du talent. Non. J'en donne, je donne une caisse de 12 Antoine. Ah! C'est bon. Ça. Ah, on sait que vous êtes des chums. Fait que... C'est Fair Game. Je suis sûr qu'il est content pour toi aussi. Quand même, c'est gang... quasiment comme s'il t'avait laissé passer. Oh, non. Alors, je sais bien que c'est pas le cas. Comment qu'on peut recroiser ça? En tout cas, j'ai pas l'idée. Je suis pas très bon en français. Good job, excusez-moi, c'est ça, je pense qu'on va voir M. Majid avec nous autres après, c'est juste pour vérifier. Mais écoute, Butcher... Dans 20 minutes, restez des nôtres. Non, mais hey, good job, c'est ça qu'on disait que ton ancien teammate Thério, là, c'était pas mal du lapping à soir. Mais écoute, ça n'est une comme ça, il y a nous autres, on avait un petit peu d'action, là. Il y en avait une couple de nouveaux là, qui ont eu des belles courses dans le système, mais non, good job Boucher. Fait que là, combien ça lui donne de points au championnat? Ben là, c'est sûr qu'avec Trahan qui finit 20, là, ça va faire mal, je sais pas, même s'il y a peut-être... 205 pour Boucher, moins son 1 point de la course qu'on a, hein? Bien. Ouais, fait que c'est ouais, 204, 204. Puis c'est 150, 157 pour Trahan, c'est quasiment 50 pour Trahan. Qui est encore deuxième? Oh ouais. Oh, okay, par, okay, par 13 wow. points sur Boisvert. Ok. Je veux dire, Boucher peut en perdre une, puis finir dixième à l'autre, la dernière, puis quand même gagner. Non, c'est ça. Comme il peut ne pas se pointer la semaine prochaine, juste décider de venir à Suzuka, finir dixième, puis... On faisait des jokes avec ça, disant, la non, seule façon... Non, je dis pas que tu vas le faire, juste qu'au niveau des ben, points, c'est jusque là que tu peux aller, là. Fait que... Ouais. Non, mais on faisait des jokes sur le live, tu sais, on disait quand on a vu que JC se déconnectait, il disait, ah, mais là, la seule chance qu'il pourrait avoir de revenir au championnat, c'est si Boucher manque d'électricité. Mais je peux vous dire que s'il manque d'électricité, pas mal sûr que JC Terrain va être avec ses snips pas trop loin de la maison. À Charles-Étienne. On faisait bien des jokes avec ça. Ouais, surveille ton poteau d'électricité en avant de chez vous. Non, c'est des jokes. Mais écoute, vas-y avec tes sponsors, Butcher, vas-y fort. Bien sûr. Écoute, merci beaucoup à WSR Esports et Buttkicker. Merci aussi à tous les sponsors qui me supportent dans la vraie vie. C'est vraiment apprécié. Fait que merci beaucoup à PB Software Engineer, Sagetel, MS Gear, AllTrack et Odoo. Si ça fait le tour. Yes, sir. Hey, good job, Boucher. Fait que il en reste deux. Long Beach, ça sera pas de la tarte. Puis Suzuka, évidemment. Vu qu'on est en formule japonaise. Fait que écoute, on te laisse aller. Good job, on se reparle demain plus tard. All right. Merci, messieurs. Salut. Ciao. Bon, Majin, es-tu là? Oui, il est supposé d'être là. Il est supposé d'être là. On va l'amener avec nous autres. Il est là, man. Du jour. Oui, monsieur. Yes, sir, monsieur Majin. Comment ça va? Bonsoir, comment ça va, les gars? Oui, monsieur. Écoute, on t'a mis. À soir, il n'y avait pas 5 votes, il y en avait 4. Plus 10. Écoute, t'as eu les votes des fans, mon cher Imaginator. Oh. Alors, merci aux fans. Ben, c'est plus 10 positions gagnées, c'est toi, par pure position gagnée, c'est évidemment, c'est toi qui en a le plus. Il y a Parent plus 5, JP Tremblay plus 6, Rodzilla plus 6, mais toi à plus 10. Mais là, c'est ça qu'on se demandait, on pensait que... Il y a ton chum Giroud qui dit « Yo, Imagine, dans qualif, je sais pas, il a pas qualifié. » Là. Des fois, il y a des gars qui essayent de se qualifier quand ça va pas bien, ils se déconnectent. Bon, t'as vu que t'es venu au début de la course, puis que finalement, ça a mieux été que tu pensais, j'imagine. Ouais, ben, ça fait une couple de semaines, je sais, j'arrive un petit peu à la dernière seconde, fait que j'ai pas eu le temps de bien pratiquer, je veux pas me mettre dans les jambes des gars, fait que je qualifie pas, je pars en arrière, je fais ma petite affaire, prends ça relax, puis on monte le peloton tranquillement, essaie de pas faire d'erreur, c'est surtout ça l'atelier, je pense, là. C'est une machine qui est quand même assez, assez puissante, fait que... Pour éviter les erreurs le plus possible. Fait que, ben à la fin, ça commence, le pace commençait à être pas pire. Là, ça, je commençais à avoir le tour avec, à avancer pas pire. Non, ça a bien été. Je regarde ton meilleur temps. Une 14 presque flat. Là. C'est quand même des bons temps.
Écoute, ben, good job, tu sais, pour quelqu'un, comme tu dis, qui, j'aime ça dire, comme un cheveu sur la soupe, t'arrives comme un cheveu sur la soupe, tu qualifies pas, puis finalement, c'est sûr que j'imagine t'aurais peut-être aimé mieux un top 10, mais en 13e, je pense que c'est bon, là. Tu vas sûrement rester dans le top 12 du championnat. Si je me trompe pas, t'es dedans. Combien 4 points, monsieur Turgeon, monsieur Imagine? Imagine. Imagine, oui. Il est 9e. Bon, c'est excellent, ça donne des bons points. C'est moi qui est aveugle. Alright, ben écoute, ben beau travail, monsieur Imagine, pour Pilote Joe, ça va être ton petit poster à la fin de la course. Fait qu'écoute, Un gros vas-y. merci. Ben, merci à toi. Ben content de t'avoir avec nous autres, là. Insolite. Puis en plus, ça, ben, on te l'avait dit, mais félicitations pour ta win en Super Speedway là, à Indianapolis, c'était super hot. Puis Merci. on se parle pas souvent, mais quand on se parle, ça va bien. Fait que. C'est Correct. ça, vas-y avec tes sponsors, puis tes des amis à remercier, puis tout, là. Vas-y Ouais, fort. on va remercier Mimi. Grant West Auto, on va remercier Rumble Racing, les boys, on se fait du fun. Merci famille, amis, puis merci pour les votes à soir, des gens qui ont voté. Yes. Puis un gros merci pour votre live, les boys, continuez votre bon travail. Je sais que c'est du travail, mais faites bien ça. Arrêtez pas ça. Ah ouais, on essaye, mais ouais, on vous remercie bien, mais c'est vous autres qui donnez le show au bout de la ligne. Fait que Ouais. si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de show, mais nous autres, on essaye de tout accentuer. Fait que bien content de vous avoir, les gars. Merci. Ben les gars, monsieur Margin et les autres. Oui, c'est Oui. ça. Fait que écoute, on te laisse aller. Merci d'être venu nous jaser, monsieur Bonne Essier. soirée, messieurs. Salut. Merci, toi aussi. Alright. Ciao. Bye-bye. Fait que c'est ça qui est ça, tout le monde, pour la course d'Okayama. À commencer avec beaucoup de rebondissements. Du lapping pour quelques-uns, des belles batailles pour d'autres. Mais Le oh, man, oui, vas-y fort. le mot de lapin. Je sais pas, je te le laisse. Premier virage. Ça fait 2 mois, ça, c'est Alors, pas fort, T1. ça fait encore 2 mois. Mais Regarde là. C'est une yes, sir. expression, le mot de la fin, veux-tu bien? Fait que, on se dit à mercredi en TCR et à dimanche prochain. Encore une fois, en Super Formule, cette fois-ci On a deux circuits à de Long ville, Beach. hein? On a deux circuits de ville cette semaine. Mercredi à Chicago Street Course et dimanche, on revient à Long Beach. Ouais, ça va Est-ce que brasser. c'était prévu, man? Je suis sûr que non, mais ça donne bien. Bonne soirée tout le monde. Bon début de semaine en ce lundi demain. Portez-vous bien. Faites pas comme Garfield, parce que ça n'est pas de vous enlever la vie parce qu'on est lundi. Soyez heureux, ayez le sourire, prenez votre café demain, on se revoit mercredi. Bonjour tout le monde. Yes, sir. Le All Track Challenge, j'aimerais profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. bbsoft.ca, Mamba Nutrition, Pièces d'auto Fernand Bégin, Aménagement ML, FR Construction, MVP Monette Virtual Paint Shop, Yacht 45 Montréal, Maxwap Mécanique Haute Performance, Simbox 62 ainsi que Advance Sim Racing. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de Sim Racing. SimUtube, Acetec, Hüskenfeld, V&M, Trustmaster,
Mozart, Q-Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. À venir bientôt au All Track. Préparez-vous pour du stock car. Beaucoup de stock car. Premièrement, la série nationale ARCA débarque au All Track dès le 3 avril pour une série de 4 courses pour notre prochain championnat des mercredis. Rendez-vous à Richmond, Rockingham, Nashville Fairgrounds et on termine ça au mythique circuit de North Wilkesboro. Prenant le contrôle des dimanches du All Track dès le 14 avril, une des favorites des pilotes, célébrons le retour des LMS chéris de nos pilotes sur Short Tracks. Kern County, South Boston, Southern National, Slinger Speedway, Five Flags, le Paperclip de Martinsville et Nashville Fairgrounds vous attendent. Ça sent le stock car au All Track.